Salut, c'est Goldo comme d'hab et on est sur Céleste pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, nous continuons sur la phase B du chapitre 7, le sommet, dans lequel nous avons donc commencé dans l'épisode précédent. Nous avions terminé la toute première phase et nous affrontons désormais la revisite de la première zone. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Ici à droite. Ah, il y a Deep Wing. Ah d'accord, ok. Il est beau jour. Non, s'il vous plaît. Ok, donc c'est bel et bien ça, on va se retaper tous les autres niveaux en version miniature et surtout en version phase B, effectivement. Non, parce que ce serait pas marrant sinon. Oh là là. Oui, effectivement, oui. Oui, est-ce que vous la sentez la phase B là? Est-ce que vous sentez ce que le caillou mijote? If you smell what the caillou is cooking. Attends. Hop, alors, faire ça comme ça. Ah non, donc d'accord, donc un seul dash. Cela promet d'être fort intriguant. Ah mais ce saut là, il va être tendu hein. Il va être tendu par contre. Oh là là. Alors à moins de partir en diagonale. Diagonale droite. Ouais, comme ça, ok, d'accord. Ah d'accord, ok. Ah oui, il fallait que j'aille à droite. Ah bah oui. Non mais sérieux. Ah mais comment ça je me prends les pointes à cet endroit là? Ah mais sauf que oui, j'ai utilisé deux dash. Oh non, sérieux. Eh mais attends, sans déconner, c'est pas jouable juste d'y aller comme ça là, comme un bourrin. Ah bah oui mais non, parce que là du coup tu n'as plus de dash. Ah oui, effectivement. Ah ici il faut que tu te serves de ton élan. Bah oui, je suis idiot. Faut avoir le réflexe de le faire hein. Voilà. Hop là, comme ceci. Bah oui, c'est très simple. C'est très simple. Alors, voilà, je me prends la manette dans le bureau. Ok, d'accord. Donc ici, tu as quoi? Ici, t'as une plateforme. Tu sais que quand tu vas dasher, cette plateforme-là va rebondir vers le haut. Et il me semble que t'es presque obligé de dasher vu la distance qu'il y a. Donc, grosso modo, il faudra essayer de s'accrocher plus sur le côté, je pense, que sur le haut, en fait. Oh la vache. Ah ouais, ok, d'accord. Ça sent les rebonds, faut s'accrocher sur le côté des plateformes, quoi. Ah, ça va être marrant, ça. Oh là là. Ensuite, t'as une plateforme ici où t'as des pointes sur le dessus. Ah la vache! Ah, j'en ai mal au crâne. J'en ai mal au crâne, rien qu'à tout regarder comme ceci. Bon, bah c'est parti. Ouais, donc comme je le pensais, effectivement. Attends. Est-ce que t'as pas moyen? Sinon. Quitte à mourir plein de fois, hein. Ah oui! Ah oui, effectivement, oui. Ok, donc en fait, peu importe ce que je fais. Ah oui, d'accord, un peu ça, c'est celle qui ne rebondissent pas quand tu fais un dash. D'accord, bah oui, mais oui, si je confonds tout aussi, moi. Oh là 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 là, ok. Donc au final, on n'a pas besoin d'avoir peur d'elle. Autant sauter dessus directement, en fait, avec un dash. Et le tout, ensuite, sera de réussir à s'accrocher pile au bon endroit. Comme ceci, par exemple. Oh la vache. C'était bien parti pourtant. Oh là là là. Eh, ça devient de plus en plus dur hein, ce jeu, c'est incroyable. Après en même temps c'est logique. Nous avançons. Nous avançons. Nous sommes vers la fin du jeu. Enfin vers la fin. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a passé normalement la fin. Et encore qu'il reste ce fameux chapitre. Ce fameux chapitre que nous ne sommes toujours pas allés voir. En fait il nous reste quoi? Attends, il nous reste la phase B de ce truc là. Après on aura la phase B. Du cœur. Et ensuite, je pense que normalement, c'est tout ce qu'on avait à faire. Donc, aïe. Ah, et ouais, non, j'ai oublié un autre truc aussi. Bon, après, celui-là, on le fera peut-être pas forcément avant d'aller voir l'autre chapitre, donc. Mais il reste aussi le Céleste rétro, là. Qui faisait penser un peu au vieux niveau rétro de Super Meat Boy, en fait. Ah, ouais, attends, ok, d'accord. Oh. Mais attends, comment tu le fais celui-là? Non, le saut il est passé pourtant. Ah, je pense qu'il faut être vraiment carré sur le timing en fait. Ok, d'accord, j'y étais presque. Ah, j'ai pas le réflexe à chaque fois, c'est fou ça. Ah! Dommage. Oui! Impeccable, parfait. Ok, celui-là fallait vraiment pas le foirer. Si je le foirais, je me prenais les pointes. Voilà. Valait mieux perdre un peu de temps que refaire le niveau quoi. Vous comprendrez un petit peu le fait que je prenais mon temps quoi. Effectivement.
Poink. D'accord, ok, très bien. Tu vois. Non, mais pourquoi. Non, mais oui. Comment tu peux. Hein. Franchement, non, mais s'il vous plaît. Ça fait longtemps que sur des erreurs là, ça devrait être derrière nous quand même. Oh, voyons. Non, mais voyons. Non, mais. Je m'en fous. Je m'en rends complètement taré. Ça ferait un super nom de série en fait, ça d'ailleurs. Genre, je. Ouais, franchement, j'aurais dû appeler cette série Je me rends complètement taré plutôt que Céleste, tu vois. J'en ai marre de tomber malade. En fait, ça se trouve, je me suis porté la poisse aussi, je réfléchissais à ça. Je suis pas forcément ultra superstitieux, mais ça se trouve, je me suis porté la poisse tout seul comme un grand, à force de dire je suis complètement ouf, je me rends taré et tout avec ce jeu, tu vois. Et c'est pour ça que je suis retombé malade derrière, tu vois. Alors attends. Double trampoline ici. Ok, into le bloc. Ok. Rien que déjà, je vois ça là. Ensuite, donc lui, tu commences à le faire tomber pour rebondir sur le trampoline, pour t'amener ici. Ah ouais, d'accord, ok, il va falloir rebondir sur les trois. Alors attends. Donc ici, tu rebondis, tu commences à le faire tomber. Et ça va être ensuite dash sur celui de droite, sur lequel tu t'accroches. T'as toujours moyen aussi de faire une espèce de saut mural sur celui qui est à gauche, en servant de l'espèce de plateforme en métal. Bon, ça, mais c'est vraiment pour te rattraper, en fait. Normalement, t'es pas censé le faire, je pense. Ok, donc déjà, ici, en fait, t'es presque obligé d'utiliser un dash. Ok. Ah ! Oh, bah oui, bah ça a été trop beau. Ça me demandait plusieurs essais, je pense. Hein. Parce qu'à chaque fois, je vais me prendre les pointes, par manque de précision. Bon, ok, d'accord, très bien. Je vais pouvoir essayer. Oh, plusieurs essais, disait-il. C'était se sous-estimer lui-même. Voilà, boum. A, E, I, O, U, Y, voyelle, consonne. D'accord, ok. D'accord, mais voilà pourquoi je me sous-estime moi-même aussi, là. Mais attends, mais ça ne déconne. Est-ce que c'est moi que je sous-estime ou est-ce que c'est le niveau que j'estime à sa juste valeur aussi? Hein, bonne mère. Arrêtez. Donc ici, il va falloir anticiper un petit peu les déplacements de cette merguez magnifique. Cette sublime merguez. Alors attends, toi si t'étais une carte dans Yu-Gi-Oh, tu serais la merguez blanche aux yeux bleus. Alors attends. Tic, tic, tic. Ah mais sans déconner. Attends. Non. Non. Non, parce que là, je peux pas juste me sauver avec un saut. J'ai un essayé, ça ne passe pas, il faut absolument utiliser un dash. Donc déjà, t'es condamné à perdre un dash sur ton propre sauvetage. Ce qui sous-entend donc qu'ensuite tu peux passer avec potentiellement un saut diagonal comme ça into un dash diagonal, je pense. Voilà, comme ça. Ok, donc le dash diagonal pour le coup, par contre, faut bien le timer. Mais à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Non, oh, mais non, mais quel abruti! Mais tu. Ah, mais. Oh, non, non. Mais c'est très dur. Bon, attends. Ah bah oui, bah ça sinon, effectivement, et on essaye de ne pas se faire comprimer par la suite. Ok, donc là, ouais, ok, d'accord, clairement. Voilà, on se sert de la propulsion. Attends, par où t'es censé passer en fait ici? Ah oui, d'accord, donc en plus j'ai plus de dash, donc ouais, très bien, ok, d'accord, formidable. Va falloir s'accrocher aux différents murs en fait, j'imagine quoi. Mais c'est de pire en pire quoi. Oh là là. Ah ! Mais les tarés ! Les tarés ! En fait, c'est ça, faut faire des espèces de sauts muraux, j'ai l'impression, pour réussir à remonter quoi. Les sauts muraux, rien à voir avec les habitants de la ville de Saumur. Ouf, c'est passé. Oh là 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 là. Oh bonne mère. Oh bonne mère. The levels of concentration are off the charts. Yes, very much.
J'ai foutu un R là-dedans qui avait pas sa place, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est jamais. C'est parce que je ne manque pas d'air, effectivement. Alors attends. Mais sans déconner. Oui, d'accord, effectivement. Alors attendez, permettez 3 secondes. Oui, d'accord, oui. Je conçois très bien. Je conçois très bien ce que. D'accord, ok, j'ai capté. D'accord, donc en fait, tu fais. Que tu ressors, t'appuies sur A en fait. Et là, tu fais une espèce de saut. De la mort qui tue. Wouhou! It's me, Mario! Je conçois. Aïe! Oui, d'accord, oui. Je sois effectivement, oui. Diagonale, on a dit. Hein. Merci. Non! Mais qu'est-ce qu'il a une tasse, ce jeu-là? Il est aussi une tasse qu'un café corsé. Oh, bon de merde! L'autre jour, j'ai bu un café corsé, mais il était dégueulasse, le truc. Alors pourtant, j'aime bien le café fort. J'aime bien le café qui a du goût, et le café qui est fort, qui te laisse un délicieux souvenir. Tu vois, c'est le café qui te laisse une empreinte, quoi, grosso modo. Hein. Mais par contre, j'aime pas le café qui te laisse un goût de vomi. Ouais. Alors pourtant, c'était du café en dosette, la date était bonne et tout, machin, y'a pas de problème, quoi. Mais du corsé, quoi. Et, oh. Alors après, c'était probablement parce que c'était du café en dosette, en fait. Et, alors qu'après, normalement, moi, je bois mon café en dosette, mais juste, c'est du classique, tu vois. Mais ouais, je sais pas, le corsé en dosette, il est dégueulasse, je trouve. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le café en dosette, waouh. Attends, ah. C'est même pas fini, parce que si après, on commence à vouloir faire l'effacer ou je sais pas trop quoi, là. Hein? Ça veut dire que l'hôtel, on y retournera encore une autre fois, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi je m'inflige ça en fait? Pourquoi tant de souffrance quoi? Pourquoi? Mais tout à l'heure j'y arrivais nickel pourtant ce passage là, mais c'est incroyable ça, je suis devenu subitement neuneux ou ça se passe comment là? C'est incroyable. Ah ouais! Je savais que je pouvais le faire! Je savais que je pouvais me coincer par ici! Ah mais... Ah mais non mais... Ah mais... Oh! Ah mais là je suis obligé, je suis désolé, c'est un dash en fait, c'est mort. Bah ouais non, ça je suis obligé de le faire. Allez. Ouais non, et là ça se marche pas. Ok. Non, donc ça ne passe pas avec un seul dash. Ah mais j'ai refait un dash diagonal, sérieux. Ah mais je m'en fous avec mes réflexes de mort là. Ah, ça par contre ça marche. Ok, nickel. Ok, merci beaucoup. Rating. Ok, accord, tripping. Ok. Trop bas. Ok, accord. Ok. Alors. Ok, donc ça c'était bel et bien une indication. Ah oui, d'accord, c'est une diagonale que je dois faire. Alors, en fait, je me suis servi du morceau de mur qui dépasse à droite. Hop là. D'accord, oui, donc il faut que je me mette en haut de ce morceau de mur apparemment. D'accord, très bien. Hop là, et ça passe. Donc, diagonale. Diagonale, ok, d'accord, très bien, oui, effectivement, oui. Diagonale, nous disions donc. Ok. Non, mais... Oh! Comment? Oh ben, wa Shinder, Nani? Ah oui! D'accord, ouais, complètement, ouais, no, woman, no cry. No woman, no cry. Mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par là? Mais en fait, d'ailleurs, tiens, si la chanson, elle sortait à notre époque, mais comment elle serait super mal prise par une certaine frange de la population, quoi, en fait. Parce que autant à une période, tu sais, tu pouvais te permettre de chanter tout ce que tu voulais et tout machin, quoi, mais là, aujourd'hui, ce serait levé de bouclier monumental. Oui, mais vous comprenez tout, c'est une chanson horrible, machin, blabla. Alors qu'en fait, t'écoutes les paroles, non, y a rien de méchant, quoi. Mais bon, tu sais, en se basant juste sur le refrain, vous comprenez, c'est horrible ce qu'il est en train de dire, quoi. Alors, attends. Ok, attends. Ah, d'accord. Donc ici, il faut que je réussisse à conserver au moins un dash, je pense. Soit un dash, soit sinon, faudrait que j'arrive par en haut. Ah, je veux dire que je commence par aller en haut. Pour ensuite redescendre, et ensuite, depuis le bas, faire une espèce de diagonale qui remonte vers le haut, en fait. Mais je pense pas que ce soit vraiment jouable. Surtout vu comment tu rentres, en fait, déjà. Ah, mais attends, ça c'est pas bête, ça, ce que je viens de faire.
Mais calmez-vous. Mais comment ça se fait que je me prenne les pointes à chaque fois ici? Je lâche pourtant le bouton de s'accrocher en fait. Là, je suis complètement dérouté là. Là, je suis absolument dérouté là. Ok, là, je suis en pleine déroute là. Pleine déroute mentale là. Ah oui, 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 oui. Ah, j'aurais dû prendre mon temps ici. Ok. Quoi? Oh, c'est bon. Oh, Bruno Maire. Oh, Bruno Maire. Oh, il y a eu des passages quand même, hein, où j'ai revécu des passages de mon enfance tellement je suis passé près de la mort. Hein. J'ai entendu le bruit des cigares au camping, hein, ce genre de passage. Oh, c'était cool, quand même. Ah, c'était quelque chose. J'ai plutôt voulu dire, c'était quelque chose. D'accord, ok, très bien. Donc ici, tu vas te servir des blocs noirs pour évidemment recharger ton dash à chaque fois. Ok. Donc le tout sera donc de réussir à caser forcément le dash au bon endroit, effectivement, sans te tuer sur les pointes qui sont disséminées un petit peu partout dans le niveau. Oh yo yo, ok, d'accord. Ok. En fait, il y a un moyen relativement simple de le faire celui-là, je pense. Ouais, comme ça. Ok, là c'est pareil, je pouvais m'accrocher. Ah, mais oh, ça déconne. Il y a un problème de pouce, c'est pas possible. Je vais aller voir le docteur, je vais lui dire bonjour monsieur, problème de pouce, il est toujours là. C'était vraiment pas pratique pour jouer au loup quand j'étais petit. Pouce, lequel? T'as un bout de merde, mais sans déconner. Lequel et comment surtout? Et où? Pourquoi? Kang, comment? En fait, mon pouce, il se pose des questions, tu vois. Et du coup, il pose des questions au pouce des autres aussi. C'est le pouce interrogatif, hein. Ah mais... Ah, je regarde ma performance avec joie et grâce. Attends. Ok. Ok, merci beaucoup. Ah, comment tu as dit dedans là? Hey! Hey! Are you mocking ma tronche ou quoi? I think you're mocking ma tronche encore une fois, hein. Comment ça le bouton il est pas passé? Dis dedans! Hey! Hey! La pointe! T'es dedans! You mocking ma tronche ou quoi là? What are you doing on the level? What is this? Comment ça I used the dash? Do you know the World Wrestling Entertainment? Do you know Triple H? Well, I am double dash! Mais ça me déconne! Finalement, la présence omniprésente de ces pointes dans ces niveaux, ça me fait penser à une critique de notre société, de notre monde capitaliste tel qu'il fonctionne. Parce que finalement, la vie, c'est une longue ascension, un long parcours complexe dans lequel la moindre chute te fait tomber dans le vide ou sur des pointes. Et donc, tu es condamné à réessayer ton ascension et à pouvoir tomber potentiellement dans le vide ou à te faire très mal sur des pointes. Bonne merde. En plus de ça, faut s'accrocher à droite, quoi, comme par hasard, comme par hasard. Voilà, après, ce qui est beau, c'est que là, en l'occurrence, je l'ai fait en version capitaliste, mais je suis à peu près sûr que tu peux te faire strictement la même analyse avec le système communiste aussi, y'a pas de problème. La preuve, c'est que là, pour le coup, on vient de se prendre un mur de pointe à gauche. Effectivement. Ah, bon de merde. Non, moi, je décide que je reste là, ad vitam aeternam. Non, effectivement. Ni gauche, ni droite, en haut. Voilà, effectivement. Ah, bon, bah ça marche pas. Ce sera le nom de mon parti politique, ça d'ailleurs, en haut. Effectivement, oui. Oh, mais bon, le maire, est-ce que ça marche en fait, ça? Ah, mais. Bon, le maire, ah, ça c'est véritablement le passage où tu te morfonges. Tu t'en mords les doigts. Hein. Tu commences à te dire que la vie est compliquée. Hein. Ça, c'est le passage où de toute façon, tu sais que t'es bientôt à la fin de la reprise du deuxième chapitre. Et c'est alors que tu te souviens que le chapitre 3 c'était l'hôtel. Alors, effectivement.
grosso modo, hein, pour vous décrire un peu l'état mental. C'est peut-être pour ça, en fait, que je reste bloqué sur ce niveau, tu vois. Inconsciemment, j'ai pas envie d'aller plus loin, tu vois. Parce que je sais ce qui va venir après, et c'est encore pire, quoi, tu vois. Mais c'était vachement herbivore, ça, comme bruit, tu vois. Tu sais, j'imagine bien une chèvre ou un truc comme ça, faire mais comme ça, comme je l'ai fait, tu vois. Mais tu passes à côté d'un champ. Et là, t'es entre deux épidermes, t'es une espèce de grand chef bizarre avec des vieux yeux complètement éclatés qui te regardent. Mais ah, ça pour le coup, c'est pas une chef, ça. Ça. C'est le chien qui court après la chef justement pour la ramener. Oui, oui. Et ça, c'est le berger qui s'occupe du chien et de la chèvre, effectivement. Hola, como está? Muy bien et tout. Si, si, señora. Oh non! Non, ce n'est pas possible! Non! On avait dit pas le blob! On avait dit pas l'hôtel! Non! Pourquoi? Pourquoi tant d'injustice dans ce monde? Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, varum? Why? Je sais pas le dire dans notre langue. Attends. Attends. Ah d'accord, allez, c'est bon, c'est parti, c'est parti, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, on marquera les premiers tableaux des autres niveaux, je les ai fait relativement vite, tu vois. Mais là, je suis déjà en train de commencer à caler sur cet hôtel de mort avec ce blob. Ce blob d'une intelligence douteuse. Hein. Voilà, qui sait faire deux choses, glander ou des mouvements répétitifs. Titi-meng. Tiens, d'ailleurs, quand j'y pense, c'est une bonne description de ce que je fais de ma vie, en fait. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, attends. Ah, ouais! Hop là! Oh non, mais non, mais non, mais. J'ai une haine profonde de ce niveau, de tout ce qui s'y apparente. Ah! Hein, bande de petits. Julien! Oui, ah, c'était vraiment indispensable de remettre cet hôtel, hein. C'était vraiment. Ça aurait pas été complaisant, tu vois. Si, ils auraient pas pu faire une phase B un peu différente, tu vois. Histoire de... Non, 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 c'était vraiment important que tu le refasses, tu vois, pour la quatrième fois, du coup, effectivement. Non, parce que du coup, t'as l'hôtel, la face B de l'hôtel, le sommet et la face B du sommet. Donc, quatre fois, quoi. Quatre fois. Quatre fois, effectivement. Ah oui. Oui. Le premier tableau, ça y est, c'est bon, c'est fait. Bravo. Bravo. Ouais. Appelez. Allez, c'est parti pour autant de galérance sur le deuxième tableau. Ouais, let's go. Merci beaucoup. Oh, oui. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis juste pas fait pour les niveaux avec du blob, en fait, tu vois. Des trucs avec du timing pérave comme ça, là, je déteste ça. I hate this blob. Ah mais sérieux quoi. En plus regardez bien, à la fin t'as un petit bout de blob qui déborde. Excuse-moi, t'as un petit bout de blob qui déborde. Là c'est rien, mais t'inquiète, après moi je te juge pas, mais c'est juste pour te prévenir, hein, c'est pour pas que tu te tapes à l'affiche quoi. Voilà. En fait soit tu temporises comme un abruti, soit t'es... Ah mais non, mais c'est une horreur quoi. C'est vraiment une horreur, hein. C'est infect. C'est infect. C'est infect. C'est infect. C'est absolument infernal, et je n'en suis qu'au début de mes peines. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux de retrouver cet hôtel. Oh là là, oui. Oh, toute mon affection pour cet hôtel et ce bon vieux monsieur Oshiro de mort, là. Oh là là. C'est son nom complet, hein. Monsieur Oshiro de mort, effectivement. On regarde à l'état civil, là, monsieur Oshiro de mort, qu'il aille crever en enfer. C'est son nom complet, absolument, tout à fait. Oh là là, mais c'est phénoménal. Mais de toute façon, il est déjà mort. Il est déjà mort, effectivement. Ah, je souhaite pas de mal à grand monde, hein, mais par contre, monsieur Oshiro, bon, il pourrait aller au fin fond de l'enfer, que je m'en foutrais, tu vois. J'organiserais un petit événement histoire de commémorer ça, tu vois. C'est un petit 72 heures non-stop, tu sais, avec quelques caissons de base, machin, tout ce qu'il faut. Woodstock V2, tu vois. Pareil, le jour où cet hôtel-là, il brûle, tu vois, tu sais, ce sera peut-être moi qui l'aurais fait brûler, par ailleurs. Un hôtel fictif, hein, bonjour, effectivement, avant que l'hôtel de... avant que le bot de YouTube, pardon, ne s'enflamme, justement, c'est le cas de le dire. Voilà, bien évidemment, tout cela n'est que fiction, hein, dans le cadre d'un jeu vidéo, tout à fait. N'approuvons pas par ici le comportement de toute personne qui ferait... Comment est-ce qu'on dit ça déjà, les gens qui crament des trucs, quoi, qui... Bon, bref, qui crament des trucs, quoi, tout à fait. Il y a des gens qui sont allés en prison pour ça. J'avais même un exemple d'ailleurs, mais je crois que j'ai même pas le droit de le citer sur YouTube, en fait. C'est ça qui est phénoménal. Un célèbre chanteur de black metal, notamment.
Ah, je suis tombé. En fait, c'est un truc de ouf. Maintenant que t'es sur YouTube, t'as l'impression de jouer des mineurs. Hop là. J'étais en mode. Attends, est-ce que ça, j'ai le droit de dire ça? Ou non, ça, attends, ça, j'ai pas le droit de dire. Ça, j'ai le droit, peut-être, non, oui, peut-être. Ah non. Bon, attends, dans le doute, ça, je le dis pas. Ok, d'accord. Donc, en fait, un petit cas de télévideo, ça se résumera. Bonjour, salut, au revoir, ça va? Ouais. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Waouh! Abonnez-vous, suivez-nous sur les autres réseaux sociaux qu'on n'a plus le droit de citer, sinon c'est de la pub. Ouais! Mais c'est aberrant en fait. Alors attends, si on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que. C'est fascinant. C'est fascinant, voilà ce que c'est. Hein. Ah oui, non mais oui, mais oui, mais oui. Oui. C'est grosso modo, ouais, c'est fascinant en fait. Ouais. C'est ouais, non, clairement, c'est vraiment fascinant. Je commence à avoir la grosse dalle en plus. Non, là, c'est bien pour se concentrer en fait. Et non, mais ça me déconne, mais ils sont complètement tarés. C'est quand qu'on arrive? Ah, sans déconner. Ah oui. Oui. Se prendre un blob en pleine tronche. Le nom de mon nouvel album, se prendre un blob en pleine tronche. Waouh! Ah oui, ça faisait très longtemps. Ah mais non, mais sérieux quoi, le blob de mort. C'est l'alter ego de Voldemort, hein, pour info. C'est en fait, si Voldemort était passé par Pouf Souffle au lieu de Serpentard, ça aurait donné blob de mort. Tu vois. Du coup, ça aurait été le... Bah il aurait été un petit peu nul quoi, tu vois. Il aurait été un peu moins bon, grosso modo, mais bon, c'est... Voilà quoi. Ça aurait été celui dont on peut, de temps en temps, prononcer le nom. Ah c'est bon, impeccable. On est sorti de cet hôtel. Eh bien, tandis que le vent se lève et que le vent souffle sur les plaines de la Bretagne américaine, je vais mettre un dernier regard sur le chrono qui m'indique que cela fait désormais une heure que j'enregistre. Nous allons donc nous arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode, nous continuons avec l'ascension du sommet, phase B, effectivement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine.